Ok, bienvenue dans l'épisode 4 de la vie de T-Rex. Je suis retourné à mon lieu de naissance, tout simplement. Et là, vous voyez un giga juve que je vais graille instant. Plus rien à foutre. Voilà, plus rien à foutre. Voilà, plus rien à foutre, mes potes. Et les juves, on les bouffe. Et du coup, oui, là j'ai un peu lancé vite là, parce que tout simplement. J'ai vu Giga, j'étais caché ici. Retour au lieu de naissance du coup, hein, comme je disais. Bref, en gros l'idée c'est que j'ai entendu full cri. Full cri, Herbie, Carny, c'est le bordel ici j'ai l'impression. À Sanctuary. Du coup ce qui se passe c'est que vous en rappelez Killom est décédé dans l'épisode précédent. Du coup 8 heures de prog, pas le temps de niaiser, pas le temps d'attendre. Donc on recommence un peu en solo, peut-être qu'il reviendra après, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, on va encore une fois essayer de se faire ce troupeau que vous venez certainement d'entendre. Je vais augmenter le son du jeu. J'augmente le son du jeu. Là, il y a eu un Terry qui vient de crier. Alors, le Terry, c'est extrêmement faisable. À voir quoi. À voir, à voir. Faut juste pas que je me fasse voir, c'est tout. Faut juste pas que je me fasse voir. Je crois qu'il y a un giga. Minimum 1. Faut juste pas que je me fasse voir par le Terry. Si j'arrive à le surprendre, je le déboîte. Hein. Mais seulement si j'arrive à le surprendre. Si j'arrive pas à le surprendre, je déboîte Walou. A voir ce qu'il y a avec lui, hein. Aucune idée. Mais je vous rappelle que l'objectif de cette série, c'est de bouffer un membre du groupe. Rien qu'un. Rien qu'un. Un seul. Oh, il y a un Terry là. Oh là, il y a un Terry. Est-ce qu'il est solo? Est-ce qu'il est solo? Et je le déboîte, je le déboîte, je le déboîte. Je le déboîte. Je vais l'éclater. J'ai eu un Terry! J'ai eu un Terry! J'ai eu un Terry! Oh là là, mon Dieu! Oh la pression que ça a mis d'un coup, ça! Ouh là 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 là! Là, on est bien là! Un Terry! Oh là là, il m'a parlé, je crois! Je sais pas. Ok, mort. Est-ce que c'est lui qui a parlé? Un mort, j'en sais rien. Je sais pas du tout. J'ai eu un Terry, je l'ai bouffé, je l'ai graille. Aïe 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 aïe. Ça c'est cool. Eh, je m'y attendais pas du tout. Un Terry qui se balade tout seul. Bah après j'avais entendu qu'un Terry, donc peut-être qu'il était solo quoi. Avec des gigas. Ou un giga. Mais j'imagine qu'un giga ne traîne jamais seul sur cette map. J'ai déjà régène là, sérieux? Mais il m'a rien fait en fait. Il m'a rien fait. L'embuscade. Ça y est, la technique de chasse est enfin. Au point, j'ai envie de dire. Ah c'est ouais, ok. Bah écoutez, là je suis content là. En vrai, je suis content. En vrai, je suis très content de cette belle prise qu'est le Teresinosaurus, le cousin Rex, qui est, enfin le cousin Tyrannosaure, qui a cané quoi, qui a tout simplement cané. Trois crous, trois crocs. Trois crocs, je vais y arriver. Trois crocs et un Terry, c'est mort quoi. Faut juste lui péter la patte. Et là, typiquement, voilà, le Rex est plus fort contre le Terry que le Giga, je pense. Parce que si tu lui casses la patte, il est fini. Alors qu'un Giga, tu le mords, il a du bleed. Je pense que tu en mets beaucoup et ça lui fait très mal. Mais vu que tu lui casses pas la patte, il peut te courir après et te détruire. Le Terry court très vite. Giga? Bah, je m'accarcasse, hein. En effet, il y a des gigas, hein. Ça c'est une certitude. Eh bien, ils sont là. Ils sont là. S'ils me contestent, ils me contestent. Je vais grailler un peu quand même avant. Parce que. J'en vois qu'un après tout. Hein. S'ils me contestent, je le défonce en fait. Vas-y, viens me conteste, bro. Là, il y en a un autre derrière lui. Il y en a un autre derrière lui.
C'est un Juve ou un Seb, je sais pas, mais s'il me conteste pareil, je les déboîte. Je les déboîte. C'est bon, il y en a marre des gigas. S'il est solo, s'il est solo, rien à fichtre. Non, je te parle pas. Je te parle pas, coucou, mais je te parle pas, gros. Après, le truc, c'est que s'il est solo pour l'instant, ça va. S'il se fait rejoindre par un ou deux potes, ça va plus. Après, je garde la carcasse. Je garde la carcasse. Et ça me protégera. Parce que là, s'il y a 3 gigas qui arrivent, on est quand même bien dans la merde. S'il y en a 2 qui arrivent, on est dans la merde. S'il y en a qu'un seul, ça va. Donc, là, ça serait cool qu'il me conteste et que je le bute. En gros, s'il me conteste, ce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment faire, c'est lui péter la patte, quoi. C'est lui péter la patte. Il fait quoi? Il vient vers moi là? Il est tout seul, hein? J'ai l'impression qu'il est tout seul. J'ai pas vu de poteau à lui là. J'ai pas vu un frère, un père, une mère, un cousin. Je vois tout seul. Il s'est caché là devant? Non, il se cache pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Bon, écoutez. Ah, il arrive. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu veux me conteste? Viens me conteste. Viens! Le truc, c'est que je sais pas s'il est seul ou pas, quoi. Si l'autre il est caché. Vas-y, vas-y, ramène-toi. Vas-y, ramène-toi maintenant. Viens te battre. Bah, et tu fais quoi là? Tu fais des cris agressifs, tu restes là-bas? Tu attends ton pote qui est à 10 km, c'est ça? C'est pas. Là, ça va pas là. Bon, je sais pas, c'est un peu bizarre. Hein. Tu veux quoi toi? Tu te mets au combat? Regarde, moi je tue, hein. Sans pitié, bro. Sans pitié. Je tue même les petits tacos. Les juvéniles. Les terris. Je suis un rex chasseur. Bah ouais, bah ok, bah d'accord, bah c'est bon. J'ai crié, regarde. Je crie, je crie. Tu fais quoi? Viens te battre. Maintenant que t'as gueulé. Le terrain. Le terrain peut poser problème quand même. Genre là par là ça peut se casser une jambe là sur ma droite. Mais quoi, il est tout seul, il est pas tout seul, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, mais viens! Mais toi c'est pas le moment, hein. Rien derrière moi, je sais pas. J'ai peur de l'embuscade, hein. Bon, allez, on va y aller, hein. Je sais jamais si je cours plus vite que le giga. Je crois qu'en croûte je cours plus vite que lui. Après je cours moins vite. Vas-y, bon, viens maintenant. Il est temps de se battre, frérot. Frérot. Mais tu fais quoi toi? Mais sérieux? Ah, c'est de l'abus là. Fais un cri agressif et il part en courant. C'est le bordel là, non? Je sais pas. Ah, ils sont deux. Je suis bloqué là.
Voilà. Oh là 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 là, ça c'est fait ça. Ça c'est fait. Ma vie, est-ce que je te bute? Oh mon dieu. Eh, ça me met trop la pression ce jeu, c'est abusé. Hein. C'est abusé. Bon, ben le giga est mort, il m'a mis combien de bleed? 10 de bleed. Ok, je l'ai attaqué parce qu'il y en avait un autre derrière lui, hein, j'entendais. Obligé quoi. Obligé, hein. Genre après ils allaient se ramener à deux. C'est lui qui m'a contesté tout seul. C'est lui qui prend. Aïe 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 aïe. Bon, là pour l'instant on va se calmer. Je crois que ce début d'épisode est relativement bordélique. Donc on va un peu se calmer, on va régène de ouf, hein, parce que là, ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Le combat, le sang, la guerre, le mort, la chasse, la contestation. C'est bon. Là on en a eu, on a notre dose pour l'instant, hein. Aïe, 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 aïe. C'est qui que j'ai tué? Il y en a un qui a dit dans le chat à un moment gros giga, gros Rex devant. Ezo. Regardez la conversation. En gros, il était tout seul, Ezo. Il attendait bien son pote. Regardez. Hello. T-Rex inconnu, veuillez vous identifier. Ok, hey, oh, yo. Alors, Mr. Brr, qui revient. Et le mec qui était devant moi, re. Mr. Bleu, gros Rex devant, alors j'ai loupé quelque chose, merde. On se taille. J'ai vu, on se taille. Ah bah non, il y en a un qui a pas eu le temps. Pas le time. J'ai même pas envie de me lever en fait là pour. Le Terry là-bas est à moi aussi. Hein. Tout est à moi ici, gros. Je pense que c'est Mr. Bleu. Ok, bah je fais juste un petit topo là vite fait. Je suis. Régène de mon bleed. Mais ça a quand même duré toute la journée quoi. Du coup il va faire nuit. Là il y a un petit Drio qui veut me troll évidemment. Donc si on peut le bouffer, bah on va pas s'en priver. Voilà. Tout simplement. Bah les trollers je les bouffe hein. Pas grave. Lui ça fait plus de 5 minutes que je l'ai tué, clairement. Je vous mets des gammas, clairement aussi. Clairement les gammas qui sont activés directement. Voilà. Les trollers, je les bouffe. Je cherche pas à comprendre. Donc, bro, attention à toi. Il est passé où? Il est tout vert, il est invisible. Ah oui, je le vois. Après, je peux faire semblant de pas le regarder. Comme ça, il se rapproche. Il est là-bas, là. Il y a des poules. Ok. Bon, on va bouffer un peu quand même. On va faire honneur à ce giga, j'ai toujours pas mangé du coup. Ça a commencé à pourrir. Ah, donc on n'a pas envie. Faire honneur à mon giga, faire honneur à ma poule là-bas. Je sais même pas si je ferais pas un petit nid vers ici, tu vois. Parce que là, franchement, il y a full bouffe. Il hein. Y a full bouffe, c'est un bon endroit où les herbis risquent de venir. Ou d'être là, je sais même pas, ils font plus de bruit depuis tout à l'heure. Il y a ce trio, bah, vous voyez, j'ai déjà perdu un screen, c'est dingue. Enfin, j'en avais regagné un du coup. Est-ce que là. Est-ce que l'eau est loin? Elle est un peu loin pour un juvé là. C'est un peu loin tout ça. Là, il y a le giga. Je pense que je vais faire un petit nid. Hein. En vrai, je suis né ici. Enfin, bon, on va dire. J'ai grandi ici, on va dire. Donc, si le Rex. Rex ou net. Parce que c'est quand même une femme, enfin une femelle, non pas une femme. C'est une femelle. Par contre le chat, vous êtes cool, mais vous saturez mon écran. Je vous aime, mais dans le silence. Du coup si Rex ou net fait un bébé, bah ça sera là où elle a grandi quoi. Vous connaissez les instincts, hein, le retour à la base, à chaque fois des animaux pour pondre, pour gestater, pour mettre bas, etc. etc. Donc, Rex ou net va faire de même dans un endroit qui est luxuriant en bouffe, en eau. Ah, moi je suis JKRP, hein.
Je dirais pas comme ça, mais ouais. Ok, elle est où l'eau? Ok, elle est juste là. Ah, ok. On va faire ici. On peut pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de faire un nid. Ici là. Vas-y, vas-y. Voilà, fais-moi ton nid là. L'eau est juste là. C'est un peu flag, mais bon. En vrai, par là, on peut pas trop se faire attaquer. Je sais pas. Je vais pas faire le nid à côté de l'eau, j'ai pas envie de traumatiser toute la planète. Ok, on va mettre de la bouffe là-dedans. Nickel. Est-ce que j'ai perdu de la bouffe? J'ai quasiment rien perdu quoi, c'est abusant. Je vais aller remanger mon giga et je vais aller gestater, on va voir si on va avoir un bébé ou pas. Hein. Bon, Terry ou giga? Terry quand même. Ou alors je lui mets du giga, comme ça le bébé il sera direct habitué au goût du giga et il aura envie de chasser des gigas toute sa vie. Ouais, on va le mettre du giga. Bah j'ai déjà mis du giga là en fait. Bon, je vais couper parce qu'il va faire nuit, ça va être chiant. Voilà, tout simplement. Je laisse à thé, peut-être que demain matin on aura un bébé, peut-être pas, je sais pas, bon, peut-être que je suis pas fertile. Du coup on va pouvoir donner vie tout simplement à un baby. Un baby qui s'appelle Drake. Voilà quoi, après la mort vient la vie comme d'habitude hein. Est-ce qu'il est là Drake? Est-ce que ça a marché? Ouais, ça a marché, normalement il est là. Ok, on a un bébé l'homme, regarde ça. Yes. Comme il est tout petit. Je vois ça. Oh. Ok, re, bébé a grandi, le père a changé, c'est devenu Raziel, ouais. Ouais, 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 parce que l'homme a du déco tout simplement. Au début, il devait déco. Donc, il a déco. Bébé a faim, il a grandi. Il s'est pété. Le raptor s'est pété la patte. Oh, il y avait un raptor sur nous, c'est pour ça que j'ai lancé un peu un bordel. Bon, bah nickel. Il a voulu troll, il a sauté, il s'est éclaté la tranche par terre, c'est ça? C'est ça, le bébé peut manger maintenant. Ouais, le bébé peut manger. Le bébé avait faim, donc maintenant il peut manger tranquille. Du coup, je pense que maintenant que j'ai donné vie et qu'il a un père, je vais pouvoir repartir faire ma vie de mère célibataire. Ok, je vais t'accompagner boire, petit Drake. Mais je pense que maintenant que tu es en sécurité avec un père, je vais devoir t'abandonner, Drake. Ça va être comme ça, et moi je vais retourner faire ma vie de célibataire. À la recherche de notre mâle. Je sais que normalement c'est l'inverse. Mais voilà. Je te laisse un bébé sous le bras. Je te préviens Drake. Ta mère va se barre, je la bouffe. Aïe. Ok. On a un mâle plutôt agressif. C'est ça, c'est ça. Merde. Bon, je vais peut-être rester avec toi Drake finalement. Le père n'est plus là. Il est AFK. Je m'en vais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis bloqué. Et ouais, mais avec ce bébé, comment on fait? J'ai failli l'abandonner. Je voulais l'abandonner, il se retrouve bloqué. Ah, c'est pas vrai, t'es, heureusement que je suis un admin. Hein. Ok, bon, c'est décidé, je l'abandonne. Ok, vas-y, va avec ton père, Drake. Oh là là, c'est terrible. Je l'abandonne comme ça. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau, vite. Il revient. Groupe. Leave. Yes. J'abandonne mon bébé! C'est horrible! C'est horrible! Je les ai abandonnés! C'est terrible! Mais je dois. Mon instinct me pousse à partir loin de cette famille! Ouais, je m'invente un peu une vie là, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est marré! Oh la vache! Je vous ai abandonné. Eh viens. J'ai profité de votre de ton absence. On la check, si on la retrouve on la tue. Pour fuir mes responsabilités. Aïe. Je sais, je suis une mère horrible. Ah, j'ai pris le risque. Ah, j'entends le bébé en souffrance.
Il a perdu sa mère. Ah mon dieu. Oui, j'entends le père qui est pas content là. Il se rapproche de moi, il se rapproche de moi, mon dieu. Terrible. La vengeance d'un père célibataire. Moi je le vois. Je l'ai vu. Ah, le bébé est juste là. Ah, mon bébé se débrouille bien quand même. Hein. Il vient de chasser tout seul. Il vient de chasser tout seul. Oh putain. Il y a papa qui arrive. Est-ce que je suis caché là? Mmh. Ouais, vite fait quoi. Il y a la queue qui y passe du sapin, mais elle est pas grillée. C'est un sapin un peu trop petit, ouais. Aïe. Je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça, mon mal. Éloigne-toi. Éloigne-toi, je devrais te tuer. Il ne revient jamais. Ma famille se lie contre moi là. Faut pas qu'il régène sa patte. Voilà. Vite une béquille, j'ai mal. Dommage, tu m'as raté. Oh, merde. Et ouais, tes parents s'entretuent, c'est horrible. Ah non, je suis pas bien du tout, non. Ah là là, cette famille est tellement partie en vrille, c'est terrible. C'est le premier croc qui m'a fait mal. Ouais, le premier croc, ouais, je savais, bah, j'avais un croc d'avance, quoi. Bon bah du coup, j'ai de nouveau le bébé avec moi. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bon bah bébé, je te raccepte, que tu veux faire. T'es de nouveau là. Ok, bah vas-y, réinvite-moi dans ton groupe. Et bouffe ton père tranquille. Ouais. Merde. Bon. Bah écoutez, les gars, c'est le foutoir là. Là, c'est le foutoir. Cette famille, c'est le foutoir. Elle est totale. Bon. Pour l'instant, on va rester comme ça et je vous donne rendez-vous dans l'épisode 5. C'est tout. Tchuss!